Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons à Douala. J'ai trop hâte, chaque fois que je viens au Cameroun, je vais toujours à Douala. Donc là j'y vais avec Serena, qui n'est pas prête du tout, et Mama, qui est prête. Donc nous sommes prêtes, il est à peu près midi je pense, ou 11h. Donc on va enfin y aller, on était supposé y aller depuis 8h du matin. J'espère qu'on aura un très très bon voyage, je le souhaite, et je partagerai tout avec vous. Je vous laisse d'abord avec le générique. Hola. Je vous présente Beau et Mira. Bon, ils sont toujours contents de nous voir, ces petits chiens. Wow, allez, assieds, assieds, relâche-toi. Ah, on y va. Bon, nous sommes en route. 3 km à pied. C'est ce qu'à Douala. Regardez le gros sac que Serena a pris. Mon Dieu, pour un week-end. C'est terrible. Moi, j'ai un petit sac. On met un petit sac ici. Ah ouais. Il fait très très chaud. Et c'est drôle parce que ma mère dit qu'à Douala, il fait encore plus chaud. Donc, là, il doit faire 30 degrés. Mon Dieu. Allez. Ça va, c'est... Bon, on vient de se réapprovisionner. Maintenant, elle est prête à prendre la route pour la gare d'autocar. Bon, là c'est notre autobus. Direct dès que nous sommes arrivés, il était déjà là, donc on va pas attendre très longtemps. Nous sommes côté si où nous sommes. On vient de faire le premier contrôle des cartes nationales dans le pays. Donc il y a la police qui est pour tout le monde sort et qui vérifie que tout le monde a sa carte nationale d'identité. C'est obligatoire. Bon, nous sommes toujours à Yaoundé, hein. On n'a pas vraiment bougé. Là, tout le monde doit sortir, montrer sa carte à l'officier. Et après ça, on repart rentrer à l'avant de l'autobus. Donc, c'est ça. En même temps, le premier arrêt, c'est bien parce que j'avais déjà un peu mal. Oui, il fait tellement chaud. C'est vrai? Pas trop chaud. Là, nous sommes à Boumnyeville. C'est le deuxième arrêt. Le premier arrêt, c'était en Bakomo. Là, nous sommes à Boumnyeville. On va faire un arrêt d'à peu près 10 minutes. On va profiter pour se réapprovisionner un peu. Certains vont aller aux toilettes.
Moi, je m'achetais pas manger. Ici, comme vous voyez, il y a beaucoup de vendeurs ambulants. Il y en a qui vendent des jus, il y en a qui vendent des pommes de France, des chips, des brochettes. Des... Ouais, il y a pas mal de trucs. Il y en a aussi qui me vendent leurs toilettes. En gros, si tu veux aller faire pipi ou caca, je sais pas, dans leur toilette, c'est 100 francs. Et c'est là-bas au fond. Moi, pour l'instant, je suis correcte jusqu'à... Ouais, je suis correcte jusqu'à l'arrivée. Là, le prochain arrêt, ça va être à Edea. Après Edea, pour enfin, on va arriver à Douala. Donc, on va prendre ça. Je pense que c'est juste ça qui m'intéresse. C'est bon quand c'est chaud. Mangez un responsable. Mangez là où la maman mange. Achio. Tu es là, papa. Eh, t'en veux pas. T'as beaucoup de... Les amis, alors comme vous le constatez, le décor a changé. Nous sommes arrivés à Douala. Nous sommes arrivés à la maison, genre à la maison hier vers 20h. Sachant que nous sommes partis de Yaoundé, il était 13h30. Mais nous sommes arrivés dans la ville même de Douala, il était 18h30. Donc, c'est ça. Le voyage a été très long, a été vraiment périlleux. Ouais. Je m'excuse parce que c'est moi qui ai insisté auprès de ma mère et ma soeur pour qu'on prenne l'autobus qu'on a pris. Je voulais vraiment prendre un bus ouvert, genre pour que l'air puisse entrer dans le bus. Je voulais pas quelque chose de fermé ou avec de l'air climatisé parce que ça me donne des malaises. Donc là, on a pris Vuka Voyage. Franchement, si tu es enceinte, prends pas cette compagnie parce que c'était, oh mon Dieu, juste y penser, il y avait des secousses et le chauffeur était pas très cool. Il ralentissait pas lorsqu'il y avait des deux dans le dos, on rentrait direct dans les trous. C'était quand même dur. Mais au moins, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait l'air qui passait parce qu'il faisait hyper chaud. Il faisait genre 31 degrés affiché hein, dans le ressenti. Plus là. Il faisait vraiment très chaud. Mais voilà, mais pas la classe de Dieu. Nous sommes arrivés à la maison hier. Très fatigués. La première chose que nous avons fait, c'est acheter du poisson et du poulet. En tout cas, on a acheté à manger. On avait tellement faim. Dès que nous sommes rentrés, quand on a mangé, on a pris une douche, puis bam, on allait se coucher direct. Donc là, nous sommes le lendemain de l'arrivée, nous allons sortir, faire un petit tour, rendre visite à la famille. Donc là, je vais vous filmer un petit peu à quoi ressemble Douala, pour ceux qui ne savent pas, quelques petits coins et tout ça. Après ça, je vais aller visiter ma famille qui vit ici. Et ça va être ça pour la suite de la vidéo. Donc là, présentement, nous sommes à Neubel, chez ma grand-mère paternelle. Donc, ici, chez Anita. Là, Anita, qui est là avec nous, ma mère, ici, et ma grand-mère. Mm-hmm. Bye. Yeah,
Donc, il reste ma tante, ma finale. Je suis sa tante, maman finale. Donc là, nous sommes à l'hôtel Sawan, nous sommes venus rendre visite à notre oncle. Donc, il travaille ici. Donc, on a profité pour visiter un peu l'hôtel. Voilà. Avec ma grand-mère. Bonjour. Dis alors. On va s'aller. Voilà. Donc, vous pouvez voir avec les décorations à l'intérieur de l'hôtel Sawan. Voilà. Et là-bas, il y a la piscine. Vous voyez, il y a des gens là. Donc nous, on fait juste une petite visite, on va dire, des lieux. Les chambres commencent là, tout au fond. Là, il y a une musique africaine. Je vais voir un peu. 3000 pour les petits bracelets africains. Ça coûte 5000 francs. Et là, c'est la réception. Et la sortie là. Merci. Donc là, nous sommes proches de la piscine. Vous pouvez entendre le vent avec ma sac à dos. Moi, je vais prendre celui-là. Oui. Si jamais vous ne me revoyez pas, on se retrouve pour une autre vidéo dans les prochains jours ou la semaine prochaine. Bisous.